Je me présente, Nathalie Dumas. Je suis coordonnatrice chez Obésité Canada. Je serai votre hôte pour cette série de webinaires en français. Je crois que j'ai manqué mon début. Bonjour, je me présente Nathalie Dumas. Je suis coordonnatrice au projet chez Obésité Canada. Je serai l'hôte pour cette série de webinaires en français intitulée « L'obésité au temps de la COVID-19 ». Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de m'entretenir avec le professeur Jean-Philippe. Bonjour Jean-Philippe. Allô, ça va bien? Oui. Merci. Je voudrais prendre, avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier Dr. Jean-Philippe Chaput de bien nous accorder ce temps de rechercher. Vraiment, merci. C'est possible, pour ne rien oublier, je vais vous présenter pour être certaine de ne rien oublier de votre superbe CV. Alors, Dr. Chaput est professeur, chercheur et professeur à l'Institut hospitalier pour enfants de l'Est de l'Ontario, et professeur agréé au département de pédiatrie à l'université. Il a une formation en kinésiologie, un bac et une maîtrise à l'université, un doctorat à l'Université de Laval et finalement un postdoctorat à l'Université de Copenhague en 2010. Le professeur Chaput s'intéresse à la de l'obésité pour les médecins sous un angle plutôt que je trouve fort intéressant, soit le manque de sommeil, le stress dans nos écrans et avec une activité physique, l'idée de l'activité physique. Publié de plus de 300 articles scientifiques avec une contribution de 2 conférences à travers le monde, dont plusieurs prix. Professeur Chaput, professeur Jean-Philippe, je vous remercie infiniment de participer à notre série webinaire. Ça fait plaisir, merci beaucoup. OK. Je vais faire amende honorable. Je veux vous dire que professeur Jean-Philippe Chaput et moi, on se connaît depuis 2008. Alors, il est possible que parfois ma langue passe au tutoiement, mais ce n'est pas un manque de l'amitié. Professeur Chaput, avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez dire un petit peu ce que vous faites dans vos recherches avant la COVID-19? Oui, bien sûr. Bien, première des choses, je voudrais dire bonjour à tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, me voyez bien. Je sais que la vidéo, des fois, n'est pas toujours parfaite, mais je vais essayer de parler lentement et clairement. Je n'ai pas de contrôle sur la technologie web. Qu'est-ce que je fais comme recherche, grosso modo? Je m'intéresse aux saines habitudes de vie en général. Donc, on peut penser à l'activité physique, au temps passé devant les écrans, au sommeil, au stress, à l'alimentation, dans un contexte de santé publique, dans un contexte épidémiologique. Mon but ultime, c'est faire en sorte que les gens adoptent des saines habitudes de vie au quotidien pour avoir une meilleure santé physique et santé mentale. Et je dirais que présentement, notre santé mentale n'est peut-être pas très bonne parce qu'on est confiné à nos maisons et puis il faut faire attention à notre santé mentale. Mais je continue à travailler avec mes étudiants, avec mes recherches qu'on peut faire en ligne, mais tout ce qui est recherche physique s'est arrêté pour plusieurs semaines. Donc, on ne sait pas encore quand est-ce que ça va recommencer, mais je pense que tout le monde a hâte que ça recommence parce qu'on est tanné d'être à la maison. On aimerait ça qu'il fasse plus beau dehors aussi. Il commence à faire un peu soleil, mais ça va être encore bon pour notre morale s'il pourrait faire encore plus beau. Vraiment, je suis d'accord avec vous. Dites-moi, dernière pourrait regrouper ce que vous faites avec la COVID-19, mais comme vous avez dit, c'est l'angle du confinement et de l'isolement qui est plus difficile et avec la situation pour l'obésité. Oui, en fait,
On sait que chez les personnes avec obésité, si on regarde la population générale, par exemple, au niveau canadien, au niveau québécois, la population avec obésité, c'est une population qui est plus vulnérable. Et on sait que le coronavirus, présentement, semble s'attaquer à les populations qui sont plus vulnérables, qui n'est pas très agréable dans un domaine de santé publique, parce que c'est une population qui est plus à risque aussi. Et on sait qu'il y a plusieurs changements qui sont arrivés depuis quelques semaines avec le coronavirus. On est confiné chez nous, donc on bouge moins, on s'adonne à plus de Netflix en soirée, on dort moins bien parce qu'on est anxieux, stressé et autres. Donc, ça joue sur notre santé physique et mentale, sur nos comportements. Les personnes avec obésité aussi, ce n'est pas nécessairement tout le monde, mais ils n'ont pas nécessairement tout le monde des bons comportements. Et avoir ce problème-là additionnel, ça peut faire en sorte chez certaines personnes d'avoir encore des moins bons comportements, donc les rendre plus à risque pour une santé mentale et physique altérée. Donc, je pense qu'il faut faire attention à nous. Puis je pense que ce n'est pas juste une question de poids ici. Je pense que c'est tout le monde qui pourrait avoir des meilleures habitudes de vie équilibrées sur 24 heures. Je pense que ça va être juste bon pour notre santé physique et santé mentale. Oui, effectivement. Parce que il y a la différence entre se faire du bien en laissant un petit peu une rigueur moins difficile, moins rigide, et vers se faire du bien en allant dehors, faire de l'activité physique, essayer de reculer face à son temps d'écran. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a des humoristes québécois, par exemple, qui font des bons vidéos. Ça fait du bien de rire parce que je pense qu'on a besoin d'amour présentement, on a besoin de rire. Mais des fois, on passe trop de temps devant les réseaux sociaux, devant la télé. Il y a des nouvelles qui sont sombres quand même. Donc, si on est exposé trop à ces nouvelles qui sont pessimistes, je dirais. Donc, on a besoin de plus rire dans notre quotidien, d'avoir plus d'amour, d'appeler nos proches directement et pas seulement texter. Donc, ce contact physique-là qui nous manque présentement, on va le chercher un peu en ligne, mais ce n'est pas la même chose. Donc, ça peut marcher pour une couple de semaines, mais on se rend compte que la santé mentale des Québécois et des Canadiens présentement n'est pas très bonne. Donc, il faut faire attention à nous et puis appeler nos proches par téléphone, pas seulement texter. Et puis, aller dehors, prendre de l'air frais, voir le soleil, ça fait du bien. On peut aller dehors. Les gouvernements disent qu'il faut le faire justement tant qu'on respecte ces 2 mètres-là. Idéalement, oui, aller plus dehors, réduire le temps écran. Et on boit beaucoup d'alcool récemment aussi. On voit les ventes de vin, de bière qui ont augmenté à la SAQ parce qu'on est beaucoup à la maison. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Boire beaucoup d'alcool, ça a des effets sur notre santé mentale, sur notre sommeil. On dort moins bien. Donc, ça se rajoute au stress et à l'anxiété. Donc, faire attention à nous et à nos habitudes de vie un petit peu plus, ça serait bon. Je profiterai de votre commentaire pour glisser sur ce que vous pouvez prendre. J'aimerais que vous identifiez un petit peu la différence d'opinion qu'on peut entendre par rapport aux nouvelles versus, parce que chez Obésité Canada, ce que l'on essaie beaucoup de faire, c'est vraiment de faire fonder sur des données scientifiques et des données probantes. Et je vais vous laisser parler un petit peu de ça, parce que lorsqu'on parle de sommeil ou d'obésité, vous avez montré que le manque de sommeil chez les enfants et chez les adultes perturbe le poids. Oui, je pense que où est-ce qu'on va chercher notre information, c'est très important. En tant que chercheur dans le domaine de la santé publique, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont en ligne sur voir Dr. Google. Je pense que ce n'est pas la meilleure source. On prend une information crédible, donc il faut écouter les recherches et les chercheurs. Dans le domaine du coronavirus présentement, c'est assez récent, donc il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore. On sait que la recherche, ça prend des mois et des années même, donc il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Il y en a qui s'en viennent, on en apprend de plus en plus à tous les jours, mais c'est important d'aller dans des sources qui sont crédibles, dont Obésité Canada dans le domaine de l'obésité. Donc, c'est la voie canadienne pour les gens qui recherchent l'information au niveau de l'obésité. Pour le coronavirus, je pense que
Nos premiers ministres sont bien informés par les scientifiques. Je suis content avec ça aussi, mais avoir de l'information directement de la santé publique québécoise et canadienne, c'est encore mieux qu'aller chercher en ligne et surtout pas les opinions sur les réseaux sociaux parce que chaque personne a des opinions différentes. On le sait sur le vaccin et autres, il y en a beaucoup qui sont contre et pour. Je pense qu'écouter la science, la meilleure chose qu'on peut faire pour notre santé et nos croyances personnelles, ça peut avoir beaucoup de méfaits dans un domaine de santé publique. On voit avec les célébrités qui n'ont aucune connaissance scientifique, qui vont envoyer des messages à beaucoup de gens sur leur Facebook, Twitter, parce qu'ils ont des millions de followers, mais ne connaissent rien. Donc, il faut faire attention à ça. Merci. Vous travaillez à l'hôpital pour enfants. Est-ce que votre spécialité est rendue plus pour enfants ou vous continuez aussi à travailler chez les adultes? Je continue aussi à travailler chez les adultes. Mes recherches personnelles sont plus chez l'enfant de 0 à 18 ans, donc plus enfants d'âge scolaire et adolescence. Mais je collabore avec beaucoup de chercheurs au niveau canadien, à travers le monde aussi. Mais mes demandes de subventions personnelles, étant donné que je suis dans un hôpital pour enfants, sont vraiment plus axées chez la population pédiatrique. Ouais. Excellent. Dis-moi, le temps file. Je présente vraiment mes excuses. La connexion est vraiment, c'est pas si loin entre Ottawa et Montréal. Dites-moi, avoir trois outils, trois astuces qu'on pourrait faire parvenir avec aux gens face à votre écran, du sommeil, du stress peut-être? Bien, je pense qu'il faudrait voir cette pause-là du bon côté aussi. Je pense qu'il y a du positif et pas seulement du négatif dans cette pause-là. Je dirais la première chose qui est importante pour moi présentement, c'est de faire attention tout le monde à notre santé mentale. Je pense qu'elle est fragilisée beaucoup par le coronavirus. C'est difficile de s'isoler. On n'est pas fait comme être humain de juste parler en ligne. Donc, j'aimerais ça de voir physiquement, par exemple, ce serait beaucoup plus agréable que faire ça. Puis, comme on le voit aussi, c'est une vidéo qui ne fonctionne pas très bien aujourd'hui. Donc, c'est encore moins agréable, je dirais. Plusieurs petits messages, je dirais, qui aident notre santé mentale et notre santé physique. Pour tout le monde, les gens avec obésité ou sans obésité aussi, aller bouger dehors. Donc, nos gouvernements le disent aussi, on dit qu'il faut être confiné à la maison, mais non, on peut aller dehors, on peut marcher, prendre de l'air frais, voir le soleil, c'est bon pour notre santé mentale, santé physique, c'est bon pour notre sommeil aussi, gérer notre stress et notre anxiété, on ne sait pas ce qui s'en vient, donc c'est bon de sortir de notre maison. Diminuer un peu notre écoute télévisuelle, donc Netflix en soirée, être sur les réseaux sociaux, donc un peu moins de nouvelles où est-ce que c'est pessimiste et à rendre ça plus agréable dans nos vies, donc avoir moins de négatifs dans nos vies présentement. Appeler nos proches et leur dire qu'on les aime, donc on a besoin d'amour comme je disais présentement, donc c'est bon pour notre santé mentale. Et essayer de rire le plus souvent possible, donc c'est difficile pour tout le monde. Moi, le premier, j'ai hâte de pouvoir retourner travailler. Je suis content de cette pause-là pour passer plus de temps avec ma famille, mais en même temps, j'aimerais ça voir mes parents, amis et autres. Donc, ce n'est pas possible présentement. Donc, rire le plus souvent possible. Il y a des bonnes vidéos en ligne qu'on peut voir et autres. Donc, c'est bon pour notre santé mentale. Et puis, on va passer au travers éventuellement. C'est une question de temps. Hey, vraiment, Dr Chaput, merci infiniment que vous nous avez accordé aux auditeurs d'Obésité Canada. Généreux et merci. Je profiterai aussi pour dire aux auditeurs que Canada est un organisme de bienfaisance enregistré, que cette vidéo va être sur notre page Facebook, sur notre chaîne et aussi à l'intérieur du site internet d'Obésité Canada. Donc, n'hésitez pas à partager sur Instagram, Twitter, toute information. Merci infiniment et on aura le plaisir d'avoir Dr. Laurent Berthaud pour plus des opérations bariatriques. Alors, merci beaucoup Dr. Chaput d'avoir bonne chance et restez sains et saufs avec toute votre belle famille.
famille. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Une grosse caresse à tout le monde. Merci. Yay!